toujours acheté des douilles, du fil électrique, des choses comme ça. J'ai toujours été, entre guillemets, branchée par l'électricité. Je ne savais pas pourquoi, c'était des objets qui me parlaient. Donc j'ai entassé. Et puis un jour, j'ai eu le déclic en faisant des petites sculptures en céramique que j'ai commencé d'allumer. Je ramasse beaucoup d'objets en fer blanc que j'adore, en rouillé. Il faut absolument que tous ces objets aient une trace. Alors une trace, c'est des rayures, c'est des salissures, c'est des petits bouts de ficelle, des petits bouts de n'importe quoi que je garde au maximum. Je les nettoie le moins possible, je ne les polis surtout pas parce que je ne veux pas enlever la trace du temps. Et ce que j'aime pendant les expositions, c'est cette espèce de discours intergénérationnel qui se fait. C'est beaucoup de grands-parents qui se mettent à expliquer aux petits-enfants ou à moi ce que la grand-mère faisait avec tel objet ou tel objet. J'adore ça, ce contact qui se fait par rapport aux objets. Je pense aussi un petit peu que les objets parlent d'eux-mêmes. Oui, aux vibrations des objets, je pense vraiment qu'il y en a beaucoup qui ont des choses à dire. J'ai un petit peu creusé le pourquoi l'électricité. Pourquoi l'électricité? Pourquoi toujours ce désir d'avoir acheté du matériel électrique? Mais donc, si on creuse un petit peu toujours dans les histoires familiales, c'est que je pense j'ai quand même une grand-mère qui a été foudroyée très très jeune, lorsque mon père et ses frères étaient enfants. J'ai hérité d'un petit bout de ça indirectement, et donc je me suis dit que ben voilà, elle n'avait pas capturé l'électricité, mais moi j'allais le faire, et qu'en plus j'essayais de sublimer parce que je veux en faire quelque chose de beau.